La composition du gouvernement, le terme premier, est enfin arrêté. 812 ministres et 714 secrétaires d'État. Bon, on va pas vous faire toute la liste, hein, mais je vois ici, monsieur Di Rupo, le grand retour de Maria Arena, ministre de l'intégration sociale, des pensions et des grandes villes. Mais écoutez, jeune homme, voilà trois compétences qui rentrent tout à fait dans le profil de Maria Arena. Ah bon ? Pour l'intégration sociale, je sais que Maria Arena a déjà été parachutée à Binge, où elle s'est fort bien intégrée. Elle va bientôt tenter de s'intégrer à Bruxelles. Bref, c'est une spécialiste. Pour les pensions, l'octroi de ce ministère est peut-être un signal pour lui dire qu'il est temps de prendre la sienne. Quant au ministère des grandes villes, je crois qu'il y a une erreur de frappe. Il faut lire ministère des grandes villes. Je vous ai également gratifié d'une nouvelle créature comme secrétaire d'État aux personnes handicapées, madame Fernandez Fernandez. Merci, merci. De rien, de rien. Quant au MR, rien de neuf sous le soleil. Vous voulez dire rien de neuf sous Didier Reynders? Oui, pardon, excusez-moi. Ah si, la présence d'Olivier Chastel a un poste clé dans ce gouvernement, à savoir le secrétariat d'État chargé à la préparation de la présidence européenne. Oui, je me suis battu pour lui obtenir ce poste clé dans le gouvernement. J'aurais bien voulu lui adjoindre le secrétariat d'État à la préparation des salles de réunion et des plats réchauffés, mais son heure viendra, il est encore jeune. Ça sent pas un petit peu les postes prétextes, tout ça, M. Reynders? On a l'impression qu'on invente des ministères pour caser des gens. Vous avez raison. On a même été obligé d'inventer le poste de Premier ministre pour caser le terme. Mais la grande surprise, c'est évidemment l'arrivée de Joëlle Milquet au ministère de l'Emploi et de l'Égalité des Chances. Alors, Madame Milquet, enfin ministre? Ouais, putain, quoi. J'aurais vraiment préféré l'intérieur, quoi. Comme ça, j'aurais pu être un peu chez moi, mais bon. Bon, l'emploi, c'est bien aussi. Et puis l'emploi, je connais bien. Faut dire, j'en ai tellement. Ouais. On vous sent pas très enthousiaste de monter dans ce gouvernement. Ah si, si, si. Tout mon parti m'a juste un peu poussé à y aller, quoi. Même beaucoup fort poussé. Ils ont estimé qu'il fallait un mec, donc voilà, quoi. Je me demande même s'ils ne veulent pas se débarrasser de moi. Croyez pas, vous? Non, non, pensez-vous? Enfin, bon, il me reste le ministère d'égalité des chances. Et je vais leur prouver qu'une femme a toutes les chances de faire aussi mal qu'un homme. Et puis c'est donc cet après-midi que le roi recevait les prestations de serment de tous les ministres. Un roi très très concerné après 9 mois de crise. Ah, c'est pas vrai. Non, de Dieu, de nom de Dieu. C'est qui celui-là? Je connais pas sa tête. Et celle-là, c'est qui? Turtelbaum, qu'est-ce qu'elle va faire, celle-là? Politique d'immigration. Bien envie de migrer, moi. En Collins, tiens, encore là, celle-là. Incroyable. Reynders, forcément. Ah, Milquet. Oh, elle n'a pas l'air très contente. Oh là, on n'aurait pas dû la mettre à côté de Reynders. Et où il est le petit gros avec sa moustache? Et qu'est-ce qu'il est devenu? Il est plus là. Mais je l'aime bien, lui. Ah, il faudrait que je me renseigne. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont foutu à sa place? Qu'est-ce que c'est que cette lagne-tute, là? De crème. Et ça, c'est qui, ça? Van Kicken. Van Kicken. Bon. Nom de Dieu, des ministres de la simplification. Très bien de simplifier son nom, celui-là. Hein. Bon, ça y est, tout le monde est content. Vous avez tous vos petits ministères. Vous avez vos œufs de Pâques. Allez, salut Anne de Costa, je pars en vacances, moi. Je me demande comment ce soir.